Buenas noches, patroncito. Bonsoir. Ainsi, c'est toi. Je m'en doutais. J'aurais dû penser que personne d'autre que toi n'aurait eu l'audace d'entrer dans cette chambre. J'ai oublié de commander une robe pour ton mariage, alors j'essaye de faire aller une des siennes. Je pense qu'une sœur doit se montrer au mariage de son frère dans une robe éblouissante. Père ne sera pas content, Fanny. Tu sais qu'il tient à ce que la chambre de maman reste telle qu'elle était avant sa mort. Maman avait tout. Carte de visite pour une femme qui n'entretenait de relations avec personne. Bijoux pour une femme qui ne s'est jamais regardée dans un miroir. Ombrelle pour une femme qui jamais n'a quitté sa chambre. Toi, tu la comprenais, moi pas. Oui, c'est vrai. Je suis seulement surpris qu'il n'ait pas mis un écriteau. Elisabeth, propriété privée de Teddy Jefford. Ce qui n'empêche pas, toi, son fils, de trembler devant lui. Moi, je ne le crains pas. Mais toi, pourquoi t'inclines-tu toujours? N'est-ce pas dans les écritures? Honore ton père. Tu me feras toujours rire avec tes principes. Vraiment? Peux-tu me dire pourquoi père revient si tôt de San Francisco? Pour mon mariage, voyons. Je sais, Teddy ne traverserait pas la rue pour mon mariage. Alors pourquoi revient-il? Il a besoin d'argent. Teddy? Alors donc, tu es malade. Tu devrais savoir qu'il est un des hommes les plus riches de toute la contrée. En terre et en bétail, mais pas en argent liquide. C'est pourquoi il a engagé Scotty pour tenir ses comptes. Parce qu'il a émis ses propres billets. Facile à répandre, moins facile à rembourser. Oh là! Teddy! Patronne, patronne, bienvenue! J'avais tellement envie de coucher dans mon lit cette nuit que j'ai pris le chemin de fer pour venir au Fury. Tu étais dans sa chambre. C'est vrai. Sa robe te va bien. Père. Fils, tu dis père comme si tu allais à l'échafaud. Mes enfants, voici Reynolds. Reynolds de la Holdenheim Bank de San Francisco. Reynolds, toute ma maisonnée. Frotte ma sixième vertèbre. Voici Scotty Slip, c'est lui qui tient mes comptes. C'est l'homme qui a spéculé à la baisse sur la Huron Railroad, puis s'est mis à filouter suivant sa théorie qu'on peut s'approprier l'argent des autres sans courir aucun risque. Oh, un souvenir. Du temps où une bande de sauvages m'a gratifié d'une flèche à la sixième vertèbre. Ça me gêne de temps en temps. Vas-y délicatement. Et je vous présente le tigre. Le tigre. C'est lui mon second. Et le tigré va de victoire en victoire, car il aime mon personnel comme il en est aimé. Il a pendu un homme, mais c'était justice. Il était si content de le voir danser en l'air qu'il en a pendu plusieurs, mais injustement. Puis on a pendu un peu trop. Vous pourrez dire aux vieux Anaheim que ce sont tous des braves qui travaillent au Fury. Marcel, mon cuisinier, reçut le cordon bleu des mains de Napoléon pour ses talents culinaires. Et voici le plus beau cadeau que j'ai offert à ma défunte femme, ce magnifique portrait de moi-même. Il est bien, hein? Oh, Chiquita! De la poussière sur moi. Oui, patron, mais je ne vous attendais pas avant demain. Cuisinier, prépare un bon dîner dans une heure. Maintenant, décampez, vous autres. Comblez seul avec les miens. Allez, ouste! Teddy, tu parles trop. Je ne cesserai de parler que devant un homme plus éloquent que moi. Où est-il? Où est quoi? Le collier que tu m'avais promis. Que hé, toi qui as du savoir-vivre, tu devrais éduquer ta sœur. Ah, dire que tu ne penses qu'à ces babioles. Des perles. C'est bon pour les petites oies blanches. Je t'ai dit n'importe quoi, mais surtout pas des perles. Tu n'aurais jamais osé revenir sans ça. Jamais, j'ai trop peur de ma fille. Ça te plaît, fillette? Ben, moi aussi. Ça va avec les boucles d'oreilles. Ah, tu as un instant dans la chambre maintenant. Tiens,
pour ta fiancée. Ma profonde gratitude, père. Une heure dans la chambre de maman chaque fois qu'il revient au Fury. Une heure chaque fois qu'il en repart. Et pourtant, quand elle l'appela à son lit de mort, il ne va pas. Il ne peut pas admettre qu'une chose qui lui appartient puisse lui glisser des mains. Moi, je suis fière d'être sa fille. Oui, princesse, héritière présomptive des Fury. Bonne et l'herbe aussi. Anna aime se piquer d'être un expert malin. C'est la parcelle Darrow, la meilleure des furies. Darrow, fils, est retourné à la ville. Je savais qu'un jour j'aurais cette parcelle. Si vous permettez, patron, je m'en occuperai. Je permets. En route! Mais qu'est-ce qu'on entend? On dirait un veau. Tu le vois? Ça vient de par là. Ça lui apprendra à s'aventurer seul dans la boue. C'est pas sa faute, on l'y a mis. Une ruse des squatteurs. Ils l'embourbent et viennent le chercher plus tard. Non, non, ça l'étranglerait. Je vais le tirer de là. Comment vas-tu faire? Tu vas voir. Il y a des squatteurs ici, au Fury? Assez. Les pueblecitos de tous ces petits villages ne sont pas à craindre, mais derrière les collines, il y a les autres. Vous êtes payé pour empêcher les squatteurs de voler. Méritez votre paye. Je vois que vous êtes au mieux avec Miss Fanny. Les femmes ont été créées pour réjouir les repas et le sommeil de l'homme, pas pour commander. Viens là. Allons, ne te fais pas prier. Je te donne un coup de main. Voilà, ça y est. Vous pensiez que le vieux bonhomme canaille, n'est-ce pas? Vous en verrez bien l'autre. Au lieu de vous payer ma tête, jetez-moi dans une corde. Ça ne m'étonne pas de toi. Puisque tu veux toujours te donner en exemple et que tu as une occasion unique de nous faire une démonstration, je serais curieuse de savoir comment tu vas te tirer de là. No, muchachos. Aquí no se usan las armas. Nunca lo encontraremos con tan pocos que le pueden ayudar. Que disent-ils? Que jamais ils n'auront une meilleure chance de tuer le patron. Que c'est l'occasion maintenant qu'il n'a qu'une faible escorte. Juanito, hoy es el día que podemos destruir al viejo. Sí, Juanito, no me para esta vez. Una bala, nada más. Les tengo dicho que cuando está presente la señorita, no quiero que usen de las pistolas. Ninguna más. Rien à craindre tant qu'elle est avec nous. Ils ne tireront pas. Ni vous non plus. C'est vous qui avez caché mon veau ici. Ah! Vous vouliez le voler, Seigneur Jefford. Nous avons toujours eu des droits sur ces terres. Et ces droits à nous, Herreras et ceux des Pueblecitos, vous n'arriverez jamais à nous les enlever, quoi que vous fassiez. Gardez-vous de voler le bétail des Furies. Je vous le dis pour la dernière fois, je ne le répéterai pas. À t'exaspérer pour te faire sortir de la boue. C'est un fait. Entre nous, si le diable se moquait de toi, tu serais capable de te tirer des flammes de l'enfer. Te donne ma parole, fillette, que je te tirerai de là avec toi. À part les francs, ça ne vous concerne pas, mais je pense qu'il est bon que vous soyez au courant de tout. Reynolds, représentant de la Name Bank, m'a consenti un prêt de 100 000 dollars sur les Furies. C'est exact. Vous parlerez à votre tour. Vous dignez mon Napoléon, hein? Un beau travail. C'était un grand homme. Parti de rien, il a pourtant bâti un empire. Un type comme moi. Oui, enfin, ça va, ça va. À propos de la garantie de l'emprunt,
Quoi? Les squatters constituent une menace sur le domaine des furies. Comme condition à la garantie du prêt, la Hanaheim Bank exigera le départ des squatters de la propriété. Pure formalité, fillette, ça veut dire que les squatters doivent être chassés des furies, et nous allons nous y employer. Oh, ne fais pas ça, pas les Herrera. Vas-tu me dicter ma conduite? Mais si, je veux bien, mais pas les Herrera. Tiens ta langue, fillette. Je veux que tu me donnes ta parole, que tu laisseras les Herrera tranquilles. Je n'aurai donc jamais le dernier mot. Jamais. Jamais. Tu es un démon. Tu as les furies dans le sang, je le vois bien. Tu as ma parole pour les Herrera. Maintenant, signez l'hypothèque. Tout est en ordre. Puis-je lire d'abord? Signe! Certainement, père. Je suppose que cet argent servira à rembourser les billets signés Teddy. Quoi, c'est 2000 pour rien! Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ces Teddy qui doivent être remboursés? Bien, ici, les gens n'ont pas beaucoup l'habitude des pièces d'or. Aussi, j'ai mis ces papiers en guise de monnaie. Ma signature figure au dos et cela leur suffit. Ils les appellent Teddy's. Les gens ont confiance. Mais pourquoi pas? Je leur donne un meilleur papier que celui de Washington. Et ma devise est Amicus Humanis Generis. Un ami du genre humain. Ce qui fait en latin 5 lettres de plus qu'Expluribus in homme. Et je leur donne une œuvre d'art. Une belle ingénue chevauchant un taureau. Elle n'est pas mal, n'est-ce pas? Combien de ces billets y a-t-il encore en circulation? Combien devez-vous? Insignifiant, insignifiant. C'est une complication. Je suis obligé de faire part de cette situation à Monsieur Hanaheim. Oh, toi, avec tes poniments sur les Teddy, hein? T'es désobligé. Va-t'en! Bonsoir, père. Ainsi, vous devez voir le vieux Hanaheim. Très bien. Vous allez donc retourner à San Francisco pour palabrer avec ce requin-là. Vous vous en doutez? Oh, je comprends. Pour vous, c'est une obligation, oui. Oui. Mais dites donc, si je partais avec vous? Avec plaisir, monsieur. Par la même occasion, j'emmènerai Chiquita. Quoi? On dit que les voyages sont instructifs. Madame Reynolds, votre femme, aura un réel plaisir à rencontrer Chiquita. Et ça pourra instruire Chiquita considérablement. Au sujet de ce petit montant d'impayé, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de signaler les Teddy's à M. Hanaheim. Je savais que nous finirions par nous entendre, M. Reynolds. Il y aura une voiture pour vous conduire au train au lever du soleil. Clay. Tu as bien rattrapé sa gaffe. Clay épouse Caroline Weddick. Elle lui apportera une fortune quand son père mourra. Et c'est heureux pour Clay, parce qu'il n'aura rien épuré. L'affaire est réglée pour lui. C'est un fait. Pourtant, je dois admettre que je ne me sens plus d'attaque pour diriger les furies moi-même. Oui, je sais, j'ai réussi à former un ensemble. Partant de rien, raccrochant une pièce de terre à une autre, mais... je n'aime pas discuter argent avec les banquiers. Non, je suis fatigué des furies. Qui pourtant te font vivre. Mais si je pars, qui dirigera les furies? Qui, sinon moi? Tu en es capable? Le contraire ne me flatterait pas. C'est à quoi tu m'as préparé, Nip. Oui. Il n'y a qu'une chose qui me tracasse. Quoi donc? L'homme que tu épouseras. C'est moi qui le choisirai, pas toi. Peut-être oui. Peut-être non. Regarde ça, c'est la moitié de ce que m'a donné la Dime Bank, 50 000 dollars. Belle somme. Elle sera pour ta dot si tu prends un homme que j'estime. Un homme qui me comprendrait, qui aurait aussi bon caractère que moi. On dirait que tu ne tiens pas à ce que je me marie. Tu ne trouveras pas facilement un époux. J'en ai cherché beaucoup pour toi. Il te faut un homme comme moi qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, même par toi. Tu te crois un surhomme sur la terre de Dieu, n'est-ce pas? Tu en connais un autre? Non, je chercherai. Si j'en trouve un, je me marie. Et je ne m'occuperai pas de savoir si ça te fait plaisir ou non. Burnett. Donne-moi ça. Qui est Burnett? Ça ne te regarde pas. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Ça ne me regarde pas. Au lieu de dire des bêtises, frictionne ma sixième vertèbre.
longtemps que nous n'avions fait la course. Et je vous gagne toujours, n'est-ce pas? Oui, vous me gagnez toujours. C'est vrai. Juan Herrera, vous le faites exprès. Vous me laissez gagner chaque fois. La seule fois que j'ai gagné, vous m'avez égratigné. Ce sont les furies qui vous ont marqué. Non, Fanny. Pas les furies. Vous. Aucune différence. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Juan? Vous êtes bien nerveux aujourd'hui. Regardez. Partout où vont les yeux, aussi loin que vous pouvez voir, c'est le domaine de votre père. Il y a place pour des milliers de bêtes, des centaines de chevaux. Mais y a-t-il place pour quelques Herreras? C'est sa terre, il peut avoir là qui bon lui semble. S'il ne veut pas les Herreras ici, c'est son droit absolu. Je m'attendais à ce qu'un jour vous me disiez cela. Voilà, je l'ai dit. Je ne permets à personne de parler ainsi de Teddy. Je ne l'admettrai pas, bien que nous ayons grandi ensemble, bien que vous soyez mon ami, à qui je confie tout et qui me comprend. Et je ne veux pas que vous partiez. Quand nos yeux se réveilleront-ils? Bientôt. C'est un baiser d'amitié. Continuez, je vous en prie. Monsieur Darrow. Monsieur Jeffon, très honoré. Attendez. Je ne reçois pas de spéculateur marron ou furie, fut-il le fils de Darrow. Ce langage, monsieur, doit être une plaisanterie. Je préfère l'ignorer. À votre aise, mais débarrassez le plancher, vous faites tâche ici. Monsieur, vous avez affiché pour cette réunion une invitation publique sur chaque poteau du pays. Devant les personnes présentes ici, je vais me permettre de vous proposer un marché. Vous ne direz plus de mensonges sur moi et je ne dirai plus la vérité sur vous. Je ne crains rien de personne, ni de vous. J'étais dans mon droit quand j'ai tué votre père et vous mériteriez le même sort. Monsieur Darrow, je vous ai promis cette danse, je crois. Pourquoi êtes-vous venu chez mon père?
Je m'intéresse à la parcelle d'Arrow. Comment vous a-t-il appelé? Votre père m'a appelé spéculateur marron parce que je contrôle la monnaie légale. Mais d'autres m'appellent Monsieur Darrow et certains Rip. Rip, c'est cinglant, comme une flèche que l'on lance. Ce n'était pas notre danse, Miss Jefford. Vous ne m'aviez pas invité chez vous. Pourquoi l'avez-vous laissé croire? Si je vous avais rencontré, je vous aurais invité. J'en suis persuadé. Modeste avec ça. Non. Vous vous croyez un surhomme sur la terre de Dieu? Je suis un joueur. Quand je n'ai pas de chance, je limite mes pertes au minimum. Quand elle me sourit, je sais la garder. Patron, le dîner est prêt. Les haricots sont cuits à point. Mais pour ceux qui ne les aiment pas, il y a 150 autres variétés de plats à leur disposition. Je n'ai pas faim. Moi non plus. J'ai mon équipage dehors. Ce n'est pas une mauvaise idée. Vous pensez que j'aurais froid? Ça ne vous ennuie pas que je conduise? J'aime bien savoir où je vais. Je peux vous faire confiance. Non, il n'y a pas besoin de ça. Elle est capable de se défendre seule. Il va se prendre au piège et tu auras la joie de lui passer la corde au cou toi-même et le tirer. Charmant pour rêver. Ça dépend avec qui l'on est. Je connais l'endroit. Il dépend de la propriété des Darrow. Je sais. J'ai pensé que vous seriez plus à l'aise dans un lieu qui vous est familier. Mettez-vous toujours la même ardeur qu'à présent dans tous vos projets? Quand on sait ce que l'on veut, pourquoi perdre son temps? Préférez-vous une banale conversation? Parlons alors du temps, Miss Jefford. C'est une belle et fraîche soirée. Oui, c'est vrai. C'est la fin de notre banale conversation. Monsieur Darrow, puis-je espérer l'honneur de votre visite au Fury samedi prochain? Et vous ferez vous-même un gâteau. C'est ainsi que vous recevez ceux qui vous font la cour. Je n'ai pas l'habitude d'en faire, mais pour vous, j'en ferai un. Si j'avais le malheur de vous courtiser, votre père enverrait son armée des furies. Ce doit être un redoutable ennemi. Vous n'êtes pas homme à avoir peur. Les risques sont trop grands pour moi. J'ai vu tant de morts que je veux rester vivant. Monsieur Darrow, puis-je espérer l'honneur de votre visite samedi? Oui ou non? Vous viendrez. Qu'il peut venir samedi sans ennui de ta part ni de tes hommes. Quel est donc le coquin qui ronfle ici? Droit d'être tranquille chez lui.
Je veux ta parole. Si je te la donne, me donneras-tu la tienne? Dis toujours. Et tu me fourniras l'occasion de démasquer cette espèce de trafiquant marron qui traîne ses sabots d'ici à Santa Fe pour $3 en or ou en argent. Ou en cédille. Il va chercher à se venger pour la parcelle d'Arrow où il n'acceptera pas un combat loyal. Il est bien capable pour m'atteindre de te faire du mal. C'est moi que ça regarde. J'ai toujours agi à ma guise et je continuerai. Je veux un oui ou un non pour samedi. Ai-je ta parole que je peux le démasquer? Si tu peux y arriver. Alors, tiens ma parole. Amène cet homme. Alors, où est-il? Où est le duc? Où est le fameux petit joueur? Je crois que le glacier du garçon est en train de fondre. Je le pense aussi, oui. Eh bien, fillette, j'ai peur que ton visiteur ne te fasse pour bon. J'ai assez perdu de temps, je ne veux pas en perdre davantage. S'il s'amène, je ne suis pas loin. L'affaire marche, mais l'argent rentre difficilement. Activez les paiements. À bien, M. Darrow. Ah, vous voilà. Vous m'espionnez. Oh, père a cru que j'étais allé chez lui. Vous voulez me venger. Quand vous tournez au furie, vous pouvez lui dire que je méprise. C'est là, ce qu'on disait. Avez-vous compris ça? Faites-vous calmer. Je vais vous montrer à vos prêtres les enfants capricieux. Personne ne m'avait jamais frappé. On arrive à trouver son maître un jour ou l'autre. Je vous ai attendu toute la journée. Vous avez du temps à perdre. Vous m'aviez promis de venir. Vous m'en aviez prié. Et je n'ai rien promis. Soyez assez franche pour le reconnaître. J'avais fait un gâteau. Spécialement pour vous. Je vous l'ai apporté. Pour me le jeter à la figure. C'est exactement ça. Il est trop bon pour ça. Vous me regardez les sourcils froncés. Si vous avez une question à me poser, allez-y, qu'on en finisse. Si vous avez quelque chose à me dire, allez-y, qu'on en finisse. J'étais tellement sûre de moi, tellement sûre que je croyais le mener par le bout du nez. Maintenant, je ne sais plus. Vous aimez cet homme, hein? Ce Rip Darrow. Parfois, je crois bien le connaître. D'autres fois, je ne le comprends pas du tout. Parfois, je me dis que père a raison. Que c'est un homme d'argent, qu'il n'y a que l'argent qui compte pour lui. Peut-être a-t-il connu la fin, jadis. Pour un homme qui a souffert, l'argent a son importance. Je crois que ça ne me plairait pas, David. Ça laisse un goût d'amertume. Vous, est-ce que vous m'aimez? Depuis votre premier poney. Dites-moi, Juan, ça vous plaît d'être amoureux? L'amour est en moi depuis que je vous connais. Que ça me plaise ou non. Sans amour, j'y serais bien malheureux.
Encore en train de jouer seul au cas. Vous le voyez. Je me demande si votre passion pour ces figures n'est pas votre seul amour. Pourquoi pas? Elles sont neuves et douces au toucher. Elles sont excitantes. Elles sont honnêtes. Quand elles sont contre vous, elles vous le font voir franchement. Quand elles sont pour vous, c'est signe d'argent. Dommage qu'elles aient deux feux. Vous dites qu'elles apportent de l'argent. Moi, j'en apporte également. J'ai une dot. 50 000 dollars. Vous me l'avez déjà dit. C'est une dot royale. C'est vrai. Rip, ne songez-vous pas à me demander en mariage? Je n'en fais jamais que ma tête, ne l'oubliez pas. Demandez-moi encore de me rendre aux Furies. Si jamais je vous y tiens, je ne vous lâcherai plus. Demandez. Monsieur Darrow, puis-je espérer l'honneur de votre visite aux Furies demain? Oui. Mais jamais vous ne dites un mot d'amour. Sauf à des femmes comme celle-là. Elles sont honnêtes. Elles sont insensibles. Soyez le bienvenu aux Furies. Je vois les valets. Où est le roi? Dans son bureau. Il attend. Miss Jefford. Monsieur Darrow. S'il sourit, soyez aimable. S'il ne sourit pas, soyez-le quand même. Je crois. Monsieur Jefford, mes hommages respectueux. Si je vous tends la main cette fois, l'acceptez-vous ou la repoussez-vous? Je suis en train de lire un livre que Napoléon a écrit. Il dit que la meilleure fin pour les jeunes filles, c'est d'être mariées avantageusement. C'est lui qui a écrit ça. Scotty m'a dit que vous aviez acheté du bétail aux Furies et payé comptant. J'ai fait une petite affaire de courtage grâce au fonds de mes amis. Monsieur Darrow, j'ai horreur des flagorneries et je n'irai pas par quatre chemins. Je vous écoute. Vous aimez ma fille? Oui. Et elle vous aime? Elle pense que oui. Elle est aveugle, et je vais le démontrer. Elle m'a autorisé à lui prouver que vous n'êtes guidé que par un sordide intérêt. Père. J'ai ta parole. Le gage que vous savez ce que c'est? 50 000 dollars. Comptez. C'est la dot de ma fille, c'est le choisir un homme digne d'elle. Ce n'est pas le cas. Vous êtes très aimable. Si Fanny vous choisit pour époux, elle n'aura pas un sou de moi. Vous la prendrez telle qu'elle est, sans rien de plus. Mais si vous partez d'ici sans emmener ma fille, vous pourrez prendre tout le paquet. Il en vaut la peine. Maintenant, choisissez. Prenez ma fille ou l'argent, mais filez. Ça, je l'aurais bien parié. Je prends l'argent. Mais vous n'aviez pas à faire ça. Car je n'ai jamais dit à votre fille que je l'épouserais. Mais si! Je n'ai jamais eu l'intention de le faire. Mais si! Je n'oserais pas traiter une Jefford de menteuse. Comment vous êtes venu exprès? Fanny, je vous ai dit que je n'en faisais qu'à ma tête. Vous ne pouvez donner d'autres interprétations à mes paroles. Consultez votre père en matière d'interprétation, il s'y connaît. Il a eu gain de cause pour mes terres devant la cour, par suite d'une fausse interprétation. J'avais dit qu'il se servirait de toi pour me faire payer la parcelle d'Ao Viet. Et vous n'êtes pas prête à vous marier, ni avec moi, ni avec un autre. Parce que vous êtes déjà mariée avec les Furies. Ce n'est pas un époux. C'est un domestique qu'il vous faut pour les Furies. Dans votre intérêt, je vous engage à ne pas essayer de nuire à mes affaires. Merci pour votre invitation aux Furies. Ravi de ma visite.
Miss Jefford. Monsieur Jefford. Teddy, nous sommes refaits comme une paire de cochons de lait. Il m'a frappé, ce que personne n'avait encore osé. Il m'a fait pleurer, comme personne ne m'a jamais fait pleurer. Oublie-le, va. Tu as raison. Je resterai là. C'est ainsi que j'aime les contrats. La Darrow Bank. La Darrow Bank est chargée de traiter toutes les affaires de cette région pour le compte de l'Anaheim Bank. Excepté les affaires concernant les furies. Je ne suis pas très apprécié là-bas. Vous traiterez également nos affaires aux furies. Si notre banque signe avec vous et vous charge d'acheter du bétail pour nos clients, c'est justement parce que vous avez roulé le vieux Teddy. Rouler est un mot dur, monsieur Anaheim. Dur ou non, l'histoire que l'on connaît a fait un certain plaisir à mon père. Il estime quiconque parvient à rouler le vieux Teddy. Voici la confirmation d'El Paso. Je savais que je les aurais. Vous aviez raison. Je veux dire que vous avez des dispositions pour traiter les affaires. Enfin que... Oh, je vous en prie, Scotty. Qu'essayez-vous de me cacher? Oh, non. Oh, mon père dépense l'argent plus vite que je ne peux le gagner. Dans 6 mois, tout le pays sera submergé par les billets qu'il a émis. Imprimez-en une autre série, Scotty. Seigneur Bellet. Soyez le bienvenu, Monsieur Bellet. Seigneur Anaheim Junior. Miss Jefford, puis-je vous présenter Monsieur Anaheim? Soyez bienvenu au Fury, monsieur. Je m'étais fait une image de vous, Miss Jefford, mais elle est pâle à côté de la réalité. Vous maniez bien le compliment. Seigneur Darrow. Et je crois que vous connaissez Monsieur Darrow. Sa banque est notre nouvel agent pour cette région. Félicitations, Monsieur Bellet. Monsieur Darrow a la réputation d'un homme d'affaires très habile. Vous savez tout le bonheur que je vous souhaite. Oui. Merci, Miss Jefford. Et le renouvellement de notre emprunt? La banque Anaheim n'est pas sûre de renouveler son prêt sur les furies. Pourquoi? Les squatters. Oh, vous craignez toujours que leur présence diminue votre garantie. Si vous me permettiez de chasser les RER... Non! Monsieur Darrow, à votre avis, comment persuader ce fils de banquier d'apaiser les craintes de son père? Votre pouvoir de persuasion seul peut le persuader, voyons. Vraiment? Chiquita, comblez nos invités. Je vous rejoins dans un instant, messieurs. Monsieur Darrow, est-ce que tu as un mot à vous dire? Vous allez brûler tous les pueblecitos. C'est moi qui vous l'ordonne. Quant au Herrera, c'est moi qui m'en chargerai. Êtes-vous satisfait comme ça, monsieur Darrow? Mettre tout à feu et à sang, c'est la méthode de votre père. Scotty va vous répondre. Pour tout ce qui concerne les furies, je m'en occuperai et je me rendrai à votre bureau. Mais ne mettez plus jamais les pieds ici. Est-ce clair? Parfaitement, Miss Jefford. Laissez-moi admirer votre costume. Plus élégant que jamais. Brûlez tout! Aidez-vous blessé?
Je vous remercie de votre accueil. Buenas noches, señora. Muchachos. Es la señorita Fanny, mamacita. Vous jouez avec de grosses billes. Nous pensions que c'était le tigre qui venait essayer de tout brûler ici comme là-bas. Je vous demande de quitter les Furies pour toujours. C'est pour ça que vous êtes Véno? Teddy m'a promis de ne vous faire aucun mal. J'ai cru avoir Teddy devant moi, m'ordonnant de quitter nos terres. Gracias. Elle a autant de haine pour moi que Teddy en a pour vous. C'est ainsi. C'est ainsi, gracias. C'est tout ce que vous trouvez à me répondre. Vous n'avez donc rien compris. Teddy n'est pas là. Je vous envoie chercher et vous ne bougez pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, c'est tout. Vous êtes stupide. Alors, si je suis stupide, vous n'avez qu'à me laisser. Vous êtes trop bête. Rien d'autre à dire? Si. Vous ne pouvez pas éteindre le feu dont vous brûlez pour un autre homme. Pas plus que les plebiscitos ne peuvent éteindre l'incendie allumé par les tigres. Si c'est de rite dont vous parlez, tout est fini. Ah. Croyez-vous? Vous m'accablez de reproches sans cesse et vous faites tout retomber sur moi. Eh bien, cette fois, j'en ai assez. Allons, rompons le pain et laissez-moi m'en aller d'ici au plus vite. Ça va, ne vous occupez pas de ça. J'ai apporté tout ce qu'il fallait. Restez, Juan, j'ai besoin de vous. Il n'y a personne d'autre pour me faire de la morale quand j'ai tort. Nous restons bons amis. Oui, bien sûr. Présente ma fille, Fanny. Fillette, je tenais à te présenter à une très bonne amie, Florence Burnett. Je suis enchantée. Ma chère. Vous êtes resplendissante de santé. Je vous l'avais bien dit. C'est une belle fille. Hé, hey, Scotty, El Tigre, occupez-vous de la voiture. Madame? Mon mari est mort il y a quelque temps. Ma chère. J'espère que je ne vous dérangerai pas trop. Parle moins du monde. Nous sommes habitués. Nous avons tout le temps des invités. Venez, Flo, je vais vous montrer la maison. C'est une idée de Fanny, pas de moi. J'ai brûlé les Pueblecitos, mais ils reviennent. Et ils reviendront tant que les Herreras, eux aussi, ne seront pas chassés des Furies. Je comprends ça, El Tigre. Bonsoir. Chérie, venez donc. Asseyez-vous, je vous prie. J'approuve El Tigre d'être resté près de vous, pendant que Teddy voyait la chambre de sa femme. Je connaissais El Tigre de réputation. Une fois, son nom a même été un souci pour Washington. Seigneur Burnett, j'espère que votre séjour sera long et agréable. Merci, El Tigre. Je l'espère aussi. Burnett. Oh oui, j'y suis. C'est un nom que j'ai vu bien souvent. Sans doute l'avez-vous vu sur le talon d'échecs que votre père a émis à mon bénéfice. Ah oui. Teddy est si large et si généreux avec ses billets. Oh, l'important, ma chère enfant, est que les billets gardent leur valeur. Mais la garderont-ils? Ça me fait plaisir. Je m'aperçois que vous vous entendez bien toutes les deux. Mais oui, Teddy, il me semble que nous sommes déjà de vieilles amies. C'est parfait. Sais-tu, fillette, que sans l'aide de Flo, je serais encore à faire antichambre à Washington? Voyons, Teddy. Mais c'est vrai, dites-le. Est-ce nécessaire? Allez, dites-le.
Je connais personnellement le président, alors je lui ai présenté Teddy. Le président? Hé! Flo a donné une soirée, l'a jeté dans mes bras, écarté les gros bonnets, j'ai pu lui parler. Ce n'est pas un poseur. Les droits sur les pâturages obtenus du gouvernement sont appréciables. Vous avez rendu un service aux Furies. Vous avez l'expérience des milieux politiques. Tu peux le féliciter. Qu'est-ce que c'est? Ce que je préfère. Cognac et jus d'orange. Goûtez-y, ma chère. Non, merci. Les oranges sont emballées dans des cajous. Ils viendront directement de San Francisco. Mes invités n'ont qu'à formuler un désir. Je suis là pour les satisfaire. Teddy, comme vous êtes prévenant. Je suis fatiguée. Je vais me reposer. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Cette maison n'est sans doute pas comme celle que vous fréquentez. Néanmoins, j'espère qu'elle vous plaira. Ma chère, je me sens déjà comme chez moi. Flo, voudriez-vous frotter ma sixième vertèbre? Savez-vous comment cette douleur m'est venue? Figurez-vous qu'autrefois, je me suis colté avec une bande de sauvages. Oui, je sais, vous me l'avez dit. Ah oui, c'est vrai. C'est fait, papa. Très bien, fiston. Tenez, voilà votre paiement. Sauf votre respect, mademoiselle Vance, vous m'avez déjà donné des Teddy à la dernière livraison. Et le patron a lourdement insisté. Il m'a dit qu'il voulait du liquide. Il aura des Teddy et rien d'autre qui s'y fasse. Mais le patron a lourdement insisté pour que je refuse. Il a... Oui, mademoiselle Vance. Merci beaucoup. Merci. Papa, elle est pas commode, dis donc. Tu t'es bien fait rouler dans la farine. T'as une autre remarque à faire? Non, papa. Alors grimpe. Oui, papa. La dernière transaction avec Bailey indique une marge bénéficiaire de, voyons voir, 7,33%. Ah bon? 7,33, vous êtes sûr? Ah oui, vous êtes drôlement doué en calcul mental. Je veux dire... Ma chérie, je vous en prie, entrez. Scotty déploie des efforts surhumains pour tenter de m'expliquer la gestion d'un ranch, mais en pure perte, je n'y entends rien. Je ne vois pas comment vous vous en sortez, et c'est pour ça que je ne vous reproche rien. Que vous me reprochez quoi? D'avoir laissé revenir ses profiteurs. D'ailleurs, j'ai dit à Teddy que ce n'était pas du tout une activité pour une jeune fille de votre rang. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à vous tenir rigueur de votre échec. Merci. Ma chérie, je vous assure que j'ai une idée derrière la tête. Figurez-vous que je l'ai deviné à l'instant même où je vous ai vu. Une idée pour vous aider? J'envisage d'écrire, enfin de demander à Teddy d'écrire à Monsieur Bailey. De nous envoyer une personne expérimentée pour vous décharger de votre fardeau. Pourquoi? Ma chérie, voyons, c'est un sacrilège qu'une jeune fille aussi jolie soit littéralement retenue captive aux Furies. Ce qui vous serait des plus profitables, ce serait d'aller faire un grand voyage en Europe. Paris, Vienne, Budapest, J'avoue Milan. Que je me sens très bien ici. Vous êtes une jeune fille bien courageuse, ma chérie. Et je sais ce qui vous passe par la tête, soyez-en sûre. Moi, je l'ignore. Oh, allons, allons. Moi aussi, j'ai eu mon lot de peines de cœur durant ma jeunesse. Alors, je sais ce que c'est. La meilleure chose à faire, c'est d'oublier Rip Darrow et de faire table rase de vos tourments. C'est pour ça que je vous conseille de faire un grand voyage. Ah, voilà qui fait plaisir à voir. Vous commencez à bien vous entendre. Venez, Flo, il faut surtout pas rater ça. Marty Jagger est en train de monter un pur sang. D'accord, je vous suis, Teddy. Tout va rentrer dans l'ordre, ma chérie. Vous verrez. Une bête absolument superbe, vous allez voir. Père. Oui, ma fille? Non, rien. Pardon de lui avoir ouvert le coffre, mademoiselle. Mais on discutait l'air de rien et l'instant d'après, les livres de compte étaient grands ouverts. Je veux dire... Je sais très bien ce que vous voulez dire. It was in the merry month of May when I started for... Je ne sais pas comment la combattre. C'est comme donner des coups d'épée dans l'eau, ça ne mène à rien. J'ai toujours cru que ça me plairait de te voir te révolter, mais pas dans ces conditions, pas sur un coup de tête. Regarde-la. Allez. Regarde-la bien. Tu n'affrontes pas Bailey ou encore un des banquiers. Tu ne donnes pas des coups d'épée dans l'eau. Tu affrontes une femme, rien d'autre.
Mais d'où est-ce que vous connaissez cette chanson? Je croyais que vous l'aviez entendue pour la première fois aujourd'hui. Je vais vous avouer un secret, mon cher. Je l'ai effectivement découverte aujourd'hui. Et je l'ai apprise tout de suite. C'était dans l'espoir de vous... Ah, c'est réussi! It was when I embraced her in my arms. I thought she had 10,000 charms. Her caress was soft and her kisses sweet. Saying we'll get married next time we meet. Oh, curse your gold and your silver too. God pity the girl that don't prove true. I'll travel west where the bullets fly. And I'll stay on the trail till the day I die. Fanny. Que faites-vous donc ici? Viens là quand je m'ennuie. Les Darrow y sont maîtres. Ne serait-ce pas plutôt parce que c'est là où nous nous étions promenés? À votre choix. En tout cas, ça prouve que vous avez peut-être des regrets. C'est bon à savoir. Et vous, que faites-vous là? Je me promène aussi chaque fois que je m'ennuie. Vous êtes sincère. C'est un joli petit pistolet. Puis-je le voir? Vraiment joli. Ne revenez pas ici, monsieur Darrow. Je vous tuerai, je vous préviens. Fanny. Monsieur Darrow. Votre colère est prompte, comme un troupeau qui se prend de panique. Peut-être. Vous aimeriez que je vous prenne dans mes bras. Dormez bien. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'attends l'occasion de te voir seul, pour te parler. Eh bien, entre. Es-tu sûr d'avoir agi comme tu le devais ces derniers jours? Flo est une amie. Je n'ai pas parlé de Flo. Une amie aussi pour toi, si tu émettais du tien. Ça va, j'allumerai des cierges le jour de sa fête. Enfin, qu'est-ce qu'elle t'apporte, Teddy? Crois-tu que tu pourras retrouver en elle ce que tu as tant aimé en maman? Toutes ses qualités, élégance et raffinement. Était-ce la peine de faire de cette chambre un sanctuaire pour y installer cette créature? Je te défends de parler ainsi. Qu'est-ce que je dis? En voilà des manières de critiquer nos hôtes sous ton toit. Mon toit? Parfaitement, ton toit. Je voudrais bien savoir ce que ce toit va devenir. Plus d'argent en caisse, partout on commence à se méfier des Teddy's. Le vieux Anaheim siège dans sa banque pour nous achever. Respecte au moins la chambre de ta mère. Si la langue te démange, va-t'en dehors. Ici, c'est inconvenant. Bon, vas-y, ruine-toi. Mais ne ruine pas les furies avec toi. Les furies sont à moi. J'en ai réuni les morceaux et je peux les disloquer si ça me plaît. Qu'est-ce qui te fait rire? Toi, il y a si longtemps que je ne t'ai pas entendu brailler que je te croyais malade. Moi, malade? Tu as déjà vu un malade brailler comme moi? Voyons, fillette, pourquoi t'emballes-tu comme un pur sang? Je t'ai dit un jour que les furies te reviendront, mais que tant que je vivrai, je m'en occuperai avec toi. Après, tu feras ce que tu voudras. Ça te regarde. Tu avais ma parole. Y ai-je manqué? Combien de temps restera-t-elle? Lorsque nous recevons nos hôtes aux furies, leur séjour n'est pas limité, n'est-ce pas? Non. Eh bien, il faut que je te dise. Elle voudrait visiter San Francisco un de ces prochains jours. Tant mieux. Je lui ferai ses paquets. Teddy! Je vous attends, Teddy. Ah, c'est vrai. Je viens. Vous sortez par un temps pareil? Oh, chérie, rien ne me fait reculer. En êtes-vous sûre? Que faites-vous dans sa chambre?
Entrez donc, chère. C'est très gentil d'avoir dit à Chiquita de préparer mon thé. Quand on a été trempé par la pluie, rien ne vaut un thé bien chaud pour se remettre. Oui, mais Chiquita devait le servir dans votre chambre, pas ici. Je regretterai, Chiquita. Et vous, et tout, au furie. Comment? Je pars pour San Francisco cette semaine. Je suis ravie de mon séjour dans cette demeure, ma chère. Je voudrais vous exprimer combien j'ai de gratitude envers vous. J'en suis très touchée. Aurons-nous le plaisir de vous revoir au Fury un jour? Je vois que votre père ne vous a rien dit. À propos de quoi? Il va m'accompagner à San Francisco. Nous nous marierons là-bas. Pendant notre absence, cette chambre sera refaite à mon goût. Après quoi, j'espère qu'elle me conviendra parfaitement. Quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi voulez-vous vous marier? Quelle extraordinaire question. La réponse, ma chère, me paraît très simple. Une femme de mon âge ne peut pas vivre constamment seule. J'ai trouvé en Teddy un compagnon idéal. Alors donc, c'est son argent que vous convoitez. Mais oui, l'un et l'autre. J'avais fait un mariage d'amour. Il ne fut pas heureux, faute d'argent. L'argent rend la vie plus douce. C'est pourquoi j'y tiens. Et si l'on me traite d'aventurière, eh bien, c'est que probablement j'en suis une. C'est vraiment extraordinaire ce que votre père a fait. Il m'a donné 50 000 dollars comme ça. Ensuite, il m'a proposé de devenir sa femme. Si vous avez l'argent, pourquoi l'épouser? Peut-être par amour pour lui ou peut-être par amour pour les Furies. Vous lui avez dit? Sans rien omettre. C'était à moi de le lui apprendre. Je sais combien c'eût été difficile pour vous. Mon seul désir était de vous épargner cette tâche délicate. Fillette, j'aimerais que Flo soit une amie pour toi. Elle m'a ouvert les yeux et m'a démontré que j'étais un vieil imbécile en m'obstinant. Votre père trouve que vous travaillez trop et que vous vous sacrifiez pour lui. Aussi, tout est arrangé. Monsieur Bellet nous envoie un homme compétent. Il est en route pour venir diriger les Furies à votre place. Tout est donc pour le mieux. Il chassera les Squatters, enfin toutes les tribus qui se sont implantées sur vos terres, y compris les Herreras. Non! J'ai ta parole qu'ils ne seront pas chassés. Vous savez, ma chère, que tout le monde va vous envier en apprenant que vous allez faire ce merveilleux tour d'Europe. Je vous envie moi-même, faire ce voyage pour la première fois. Et souvenez-vous, ma chère, il y aura toujours place pour vous aux Furies. Il y aura toujours une chambre pour elle, n'est-ce pas, Teddy? Je vous remercie, je suis comblé. Comment va-t-elle? Madame Burnett. Oh, elle restera toute sa vie défigurée. Elle gardera une paralysie partielle. En considérant que la blessure était profonde et frôlait une artère, je prétends avoir fait un beau travail. Bonne nuit, docteur. Oui, je vous remercie, Scotty. J'espère que ça ira. Thank you.
place Billy la moitié du chemin. Monsieur Tefford, n'oubliez pas que c'est votre fille. Je sais ce que j'ai à faire. Vous avez peur. Il n'y a pourtant pas de quoi. Il y a longtemps qu'il y ait l'attente ces jours-là. Attrape encore celui-là. Tiens. Et regarde la sorcière. Encore trop court. Il y a qu'une chose à faire. Y aller. Venez. Il faut grimper. Allez. Allez. On ne peut pas aller plus près. Ces Herreras ne ratent pas un homme à 400 pas. Hein? Tu as perdu? Non, mais c'est ma profession. En rampant. Approche encore. Viens, mon Doro. Un peu plus près, je vais t'expédier dans les flammes. Vous avez peur? Oui. Pas pour vous-même, mais pour lui. Vous avez peur qu'il ne soit tué, hein? Les vieux Doro vient donner dans les pièges. Plus près. Approche. Encore. Là, les rocs, mon petit vieux. Dépassez les rocs. Aïe! Non, Baba. C'est suffisant. Il faut se rendre aux vieux. Juanito! Nous devrons quitter les furies. Mais c'est perdu. Juanito,
mon ami, mais les conseils. Traicionos a sangre que tienes. Es el momento que hemos esperado. ¿Esta es tu amiga? Les pongo la maldición a ella, a su padre, a todos antes y después de ellos. Je suis l'aîné. Depuis quand la parole de l'aîné n'est plus la parole de tous, hein? Depuis quand? Venez, Fanny. Je veux parler à votre père. Ils veulent tous nous massacrer. Moi pas, ils ne prennent jamais, pas comme toi. Vous empiétez sur les furies sans aucun droit. Partez, bon voyage. J'ai votre parole? Oui, oui, c'est dit. C'est accepté. Monte. Alors, vous n'avez qu'à descendre, mes braves. Amène-moi donc, cheval. Vous autres, partez des furies, n'y mettez jamais plus les pieds. Vous pouvez prendre chacun un cheval et rien de plus. Celui-ci, comment se fait-il qu'il se trouve là? Ce cheval m'appartient, vous le savez. Il porte la marque des furies. Il a été volé il y a 6 mois. La danse dans les airs. Et le tigré a-tu envie de voir pendre un homme? Si on pense voleur, on ne verra plus un seul squatter s'aventurer aux furies. C'est vrai, mais j'ai donné ma parole. Pour empiètement, pas pour vol de chevaux et de bétail. C'est notre droit sur ces terres de prendre un cheval, une vache, un veau, seulement pour vivre, et rien de plus. C'est un droit traditionnel pour les herreras dans ces pays. Parle de droit. Eh bien, patron. Bien, qu'on le pende. Il veut que je le supplie, que je demande votre grâce. Soit, je le ferai. Attendez. Ce qu'il veut, c'est que vous vous abaissiez. Mais il sait aussi que si vous vous abaissez, il me fera pendre quand même. Voyez-le sur son cheval. Il ne respire que la haine. Rien ne veut pas que vous soyez humilié. Je vous les demande. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venganos, Señor, en tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdonamos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén.
one. Les baisers de l'amitié. Je reste votre ami. Et elle sait. Ça brise le cœur de voir mourir celui qu'on aime, n'est-ce pas? Tu veux que je te supplie? Que je tombe à tes genoux pour demander sa grâce? Je le prendrai quand même. C'est ce qu'il a dit. Ah vraiment? Cet homme a du cran. C'est ce qui te manque. Tu es vieux, tu es devenu fou car tu as commis une erreur. C'est moi qu'il fallait pendre. Car à présent, je te hais comme jamais un être humain n'a pu haïr. Regarde-moi bien, Teddy. Car tu ne me verras pas tant que tu ne seras pas débarrassé de toute la racaille qui t'entoure. Juanito. 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 Dans un instant. Vous descendez juste du train? Oui. On ne s'est jamais rencontré. Je m'appelle Dallas Hart. Je suis toute nouvelle ici. Vous devez vous sentir chez vous partout. Ne me dites rien. Vous êtes Fanny Jefford. Rip vous a parlé de moi? Pas lui, mais tous les autres. Et je crois tout ce que l'on me dit. Laisse-nous, Dallas. Mais Rip. J'ai dit laisse-nous. C'est bon, je m'en vais. Je comprends que je vous gêne. Je vous en remercie. Vous vous êtes absenté longtemps. Vous avez compté les jours sur un calendrier? Au fond, vous n'êtes pas aussi calme que vous voulez le paraître. Je veux avoir les furies à moi toute seule. Comment? Ah, les teddies. J'ai fait ce qu'on appelle une campagne de baisse sur les teddies. J'ai passé des mois à parcourir tout le pays pour les dépister, en disant qu'ils étaient sans valeur et que mon père serait incapable de les rembourser. Plusieurs personnes m'en ont offert. 80 cents le dollar. J'espère acheter tout ce qu'il me faut à 5 ou 10 cents le dollar. C'est le moment. Les gens ont peur. Mais comment cela vous donnera-t-il les furies? Voilà. J'ai la liste de tous les porteurs. Croyez-vous que j'ai des chances de réussir? C'est assez ingénieux. Je le reconnais. Parfait. Il y a une petite difficulté. Laquelle? Dans votre plan, vous avez oublié la Naheim Bank, qui se trouve être créancière privilégiée. Je le sais. Aussi, il ne faut pas que la banque fasse vendre les furies. Pas avant que nous soyons prêts. Je suis le correspondant bancaire d'Anaheim, mais la décision doit émaner du vieux Anaheim lui-même. Vous le savez. Que voulez-vous de moi? L'argent. Pour acheter les teddies. Thank you.
L'argent de ma dot, 50 000 dollars? Je les ai mis de côté pour vous. Ils sont à vous, je paierai les intérêts d'usage. Je pense que vous savez ce que vous faites. Si tout marche, votre père est ruiné. Je ne veux pas que les furies me glissent des mains. Et c'est ce qui se produirait si je les laissais faire, elle et lui. Pas elle, lui. C'est Teddy que vous haïssez, Fanny. Vous avez trouvé un nouvel amour, n'est-ce pas, Fanny? Vous aimez la haine. Eh bien, si vous êtes patiente et persévérante, cela pourra occuper votre temps. Je pense que ça suffira, parce que la haine est un sentiment qui accapare toute votre vie. Et je parle comme quelqu'un qui déteste le même homme que vous haïssez aujourd'hui. Quelle sera ma part? Que voulez-vous? Mon propre bien, la meilleure partie des furies. Légalement, elle m'appartient et je prétends l'avoir. Regardez-vous. À l'idée d'abandonner une part des furies, vous voilà prête à me griffer. Est-ce entendu? Vous faites une affaire en abandonnant 10% des furies pour en sauver 90. Entendu. Bon. Quand partons-nous pour San Francisco pour voir le vieux Anaheim? Le plus tôt possible. À votre port. Êtes-vous sûr de ne pas renouveler le prêt? Hélas, mon père attend depuis trop longtemps le bon vouloir de Teddy. Je le regrette. Vous le pouvez. Bonsoir. Oui? Que faites-vous encore à cette heure? Je ne peux dormir. Avez-vous vu Anaheim? Le jeune Anaheim, pas par inutile. Il faut que j'aille voir son père. Le vieux Anaheim doit renouveler l'hypothèque, nous sommes fichus. Autrement, Teddy ne pourra pas rabattre le bétail, et c'est un travail que seul Teddy peut faire. Achetons le bétail et ensuite les furies. Nous ne serons pas plus avancés si le prêt n'est pas renouvelé. Rassurez-vous, je me charge du vieil Anaheim. Toujours cette même confiance en vous, sûr de faire marcher les hommes. Mais regardez-vous. Vous avez envie de me battre, dites-le. J'en brûle. Allez-y. Maintenant, vous voudriez m'embrasser, dites-le. Oui, c'est vrai. Qu'aurais-je à y gagner? Ça vaut bien la parcelle d'Aron? Bonne nuit. Bonsoir, Manae. Bonsoir. Quelle délicieuse soirée. Merci. Émilie, faites toutes mes amitiés à votre mari. Je n'y manquerai pas, je vous le promets. Bonsoir. Madame Manae, je ne sais comment vous remercier. Ce fut une très agréable soirée. J'en suis ravie. Veux-tu m'excuser, chérie? Miss Jefford n'a pas de cavalier. Je vais la conduire à l'hôtel. Je m'arrêterai au club en revenant. Je pense rentrer assez tard. Non, merci, Monsieur Anaheim. Je n'abuserai pas. Mais Miss Jefford, je vous assure. Non, merci, Monsieur Anaheim. Ah. Très bien. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Je vous en prie. Vous n'aviez qu'un mot à dire pour emmener mon mari? C'est possible. Et alors? Je suis venue dans un seul but. Obtenir la remise à 90 jours de l'hypothèque de mon père. J'ai senti tout de suite que si j'avais permis à M. Anaheim de m'accompagner, ma mission eût été compromise. Vraiment? Au cours de cette soirée, j'ai remarqué que c'était avec vous qu'il fallait compter. Vous êtes intelligente. Je ne contrôle pas la Anaheim Bank, mais je peux contrôler M. Anaheim. Et pourrais-je compter sur vous? J'apprécie les femmes à droite. Je vous appuierai. Merci. C'est un mari infidèle. Mais il est mon mari. Je vous demande de me répondre franchement. Est-ce oui ou non? Non. Nous saisissons les furies immédiatement. Au revoir. Teddy. Émilie.
Toujours le premier. On m'avait dit que votre visite n'aurait lieu qu'en fin de journée. Donc si je suis un peu essoufflée, vous excuserez une vieille femme. Vieille? Je connais beaucoup de jeunes filles qui enviraient votre vitalité. J'ai eu le plaisir de rencontrer votre fille. Qui? Votre fille. Vous devez vous méprendre, Émilie. Je n'ai pas de fille, je n'en ai plus. Voilà, ce vieux brigand voudrait me tondre comme une brebis. Que désirez-vous, Teddy? Je demande un délai. Voilà des mois qu'il n'y a pas eu d'acheteur de bétail. Mais maintenant, j'en ai trouvé un. Donnez-moi 90 jours pour rabattre mon bétail et vous le livrer. J'aurai l'argent pour vous payer, je vous le promets. Je ne suis pas dupe. Je suis un fichu menteur, Émilie. La vérité, c'est que je ne sais pas comment en sortir. Je n'ai personne en vue. Bellet pense pouvoir trouver un acheteur de bétail, mais à vrai dire, j'en doute. Donnez-moi une chance avec Bellet. Je crois que tu pourrais attendre jusqu'à 10 heures demain matin, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Et il aura les 90 jours qu'il demande s'il trouve un acheteur. Oui, ma chère. Merci, Émilie. Comment va-t-elle? Votre fille? Oh, très bien. Si on faisait affaire avec cet acheteur dont Bellet a parlé, ça revaloriserait les Teddy's. J'aurais pouvoir partager ton optimisme. J'ai froid, Scotty. Il me semble qu'il n'y aura plus jamais assez de feu ou de soleil pour me réchauffer. J'ai encore 5000 dollars en billets dans ma sacoche. Je peux vous en faire l'avance. Comment t'es-tu procuré cet argent? Où étais-je quand on m'avait engagé? Tu es sorti de prison. Pourquoi y étais-je? Tu aurais pu être un financier génial, mais tu as le vol dans le sang. Travaillant au Furies, je vous assure que ce ne sont pas les occasions qui m'ont manqué. Les 5000 sont à vous, je vous les donne. Non, Scotty. Pendant que tu y étais, tu aurais dû en voler davantage. Merci quand même. Mais garde ton sac pour toi. 5000 dollars, c'est comme si je crachais dans l'océan. Demande un peu plus de bois, j'ai froid. C'est drôle. J'ai toujours froid depuis le jour où je l'ai pendu. Si vous lui demandiez, elle, l'argent que vous cherchez. Scotty! Scotty. Je vais chercher du bois. Flo, le souper est servi. Flo, vous en prie. Vous avez dit, je vous en prie. Je vous l'entends dire pour la première fois. Flo, je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots si j'irai droit au but. Écoutez-moi bien, je suis littéralement ruiné. J'ai besoin des 50 000 dollars que je vous ai donnés, de vos bijoux. Enfin, de tout ce que vous avez mis de côté. C'était en prévision des mauvais jours. Eh bien, je crois que nous y sommes. Cet aveu doit coûter beaucoup à votre amour-propre. Oui, en effet. Et vous avez pensé que je ferais ça pour vous? Hé, petit, laisse-nous, veux-tu? Je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. Si je vous donnais cet argent pour sauver votre situation, vous me quitteriez. Vous osez me dire ça? Vous me quitteriez parce que vous ne supportez pas la laideur. Vous ne voyez pas vos yeux quand vous me regardez, Teddy. Mais moi, je les vois. Je commence à vous connaître. Si tout s'arrangeait pour vous maintenant, vous trouveriez une autre femme. Non défiguré, qui ne s'adonne pas à la boisson. Il est même possible que vous trouviez une femme riche. De toute façon, vous ne voudriez plus de moi.
Personne d'autre ne voudrait de moi avec cette horrible figure. Je suis vouée à la solitude. Mais après tout, l'argent peut rendre la solitude supportable. Jusqu'à un certain point. Aussi, je refuse, Teddy. Je garde cet argent. Et si ce n'est pas très beau de ma part, je n'y peux rien. Au moins, c'est franc. C'est honnête. Je dis ce que je pense. Oui, je vous crois. Et je vous dis ceci. Si jamais j'arrive à me remonter, je vous ramènerai au Fury. Mais vous arriverez à remonter le courant, j'en suis sûre, et je le souhaite sincèrement. Alors, il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Hé, petit! Apporte ce vin et remplis nos verres, et prends-en un pour toi. Ce n'est pas correct, monsieur. Je te le permets. Je porte un toast à madame. Que toutes les personnes présentes se joignent à nous. Allez, debout. Allons, allons. Belle est à trouver. Allons, éveillez-vous. Oh, nous avons preneur. Quelle vieille barbe. Si je suis une vieille barbe, vous êtes mon frère. Allons, allons, debout. Je viens d'avoir une commande de Belle. Hein? Je viens d'avoir une commande de Belle. Ouais? Il a trouvé acheteur pour 20 000 têtes de bétail. Ouais? Il a trouvé acheteur pour 20 000 têtes de bétail. Hein? De quoi rembourser ce vieux Grigou d'Anaheim? De quoi rembourser ce vieux Grigou d'Anaheim? Avez-vous 20 000 têtes de bétail? Je ratisserai tout ce qui peut marcher, ramper. Les vieux troglodytes qui n'ont pas vu la lumière depuis plus de 12 ans. Ceux qui ont le croupion décharné et vivent dans des trous comme des serpents. Je rabattrai 20 000 têtes de bétail. Allons, Scotty. On va se payer une visite chez Anaheim, cette vieille ventouse. Passe-moi mes culottes. Ah ah. Il est tellement fatigué qu'il s'est endormi sans demander son reste. Le patron. C'est le meilleur patron pour lequel j'ai travaillé. Et le meilleur que j'ai jamais vu. C'est une vraie légende vivante, ce type-là. Pareil qu'un des gars lui a même composé un morceau. C'est une chanson qui parle de Teddy, le roi des cow-boys. Tu l'as entendu? Rumusky and Chaparral, TC Cust and Fit, and drug them cows from out the plows until the cowboy spit. Oh, there never was a man like old T.C. when he was in his prime. He drugged them cows from out the slough at T.C. roundup time. Pas sur les genoux que tu finiras si je me lève. Swings his boot and squatters scoot. Ain't no man to fool. His word is law, his whip is raw, for he was born to rule. Oh, there never was a man like old T.C., a giant in his prime. His word is law, his whip is raw, and T.C. roundup time. Tiens, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est le vieux taureau noir, toujours aussi coriace et impétueux. Avec ces deux cornes qu'il a, c'est pas moi qui irai m'y frotter. Ça fait une dizaine d'années qu'il rôde dans les parages. C'est le roi du domaine des furies. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que c'était le roi du domaine des furies. Où est mon cheval? Il est là. Il va quand même pas essayer d'attraper ce taureau? Si, on dirait bien. Thank you.
un bon présage. Tout s'arrangera. Tout s'arrangera, vieux bandit. Ah ah voilà Bellet qui arrive. Le rabattage est fini et Teddy sera là demain soir pour avoir son argent. A-t-il une idée de son acheteur éventuel? Il m'a seulement dit, par ma foi, je ne connais pas l'acheteur et d'ailleurs je m'en moque. Pourvu qu'il ait la galette. Vous avez gagné. Demain soir, vous posséderez les Furies. Oui, j'ai gagné. Félicitations. Merci. Vous êtes comblé. Merci, c'est du beau travail. Alors, j'aimerais bien vous proposer quelque chose. Quoi donc? Un bon dîner tous les trois. Je n'ai pas faim. Moi non plus. Peut-être que l'air du soir nous mettrait en appétit. Ma voiture est attelée, venez. Serait-ce par hasard? Quelle coïncidence. C'est un coin charmant pour rêver. Ça dépend avec qui... Non. Il est trop tard, Rip. Vous croyez? Nous avons laissé passer une occasion qui ne se représentera plus jamais. Vous avez changé, et moi aussi. Je crois vous comprendre, Fanny. Vous avez cru qu'en ruinant Teddy, et en prenant votre revanche sur lui, vous atteindriez le but de votre vie. Mais si je le crois encore? Vous vous trompez. Demain soir, vous affronterez Teddy et vous le briserez. Nous sommes de la même trempe, vous et moi. C'est notre faute si nous avons tout raté, mais nous sommes malins et nous ferions une bonne association. Darrow et Jefford ou Jefford et Darrow? Oh, très drôle. Ce serait une association parfaite. Mais au point où nous en sommes, nous ferions aussi bien de nous marier. Ce serait beaucoup plus simple que de dresser un acte d'association en 20 pages pour le moins. Vous vous trompez, ça. Avec vous, j'ai toujours tort. Si nous nous marions, ce ne sera pas un mariage d'affaires. Approchez. Vous n'avez pas changé. Mais peu importe. Ne me demandez pas d'être votre époux. Si on se marie, rappelez-vous une chose. Vous serez ma femme. Quand vous aurez tort, je saurai vous le dire. Mais lorsque j'aurai tort, vous saurez vous taire. Monsieur Darrow, je saurai peut-être renverser la situation. Oh! Oh! On fêtera l'événement ce soir, Scotty. Ma parole, on arrangera ça. Suis-moi, Scotty. Belle, je n'aurais jamais voulu m'adresser à la Darrow Bank. Cette banque, après tout, est la correspondante de la Naim Bank et ma lettre... Faites-moi grâce de vos boniments et finissons-en vite. Ce sont les acheteurs pour qui j'ai agi comme courtier. C'est vous qui avez signé l'ordre d'achat. J'attends d'être payé. Monsieur Bellet, payez-le, je vous prie. Le prix total s'élève à la somme de 145 600 dollars exactement. Je suppose que ceci correspond à vos propres chiffres. Fais tes dises. Les billets que j'ai émis. Sans valeur. Un peine bon à jeter à mes chiens. 140 000 dollars, il n'y aurait qu'il y en eut tant. Ça fait beaucoup d'argent distribué inutilement. Ma propre monnaie. Une belle fille chevauchant un taureau. J'avoue que c'est joli, mais j'étais loin de penser qu'une jeune fille puisse dresser un taureau sauvage. Mais tu l'as fait, Fanny. Tu m'as possédé. Tu m'as eu proprement. Tu as même spéculé à la hausse sur les prix du bœuf. Tu peux vendre assez de bétail pour payer Anaheim. Ta terre n'a plus d'hypothèque.
Regardez-la bien. Elle est belle, elle est fière, elle s'y connaît en affaires. Elle est unique au monde. Je vous le dis, personne ne pouvait mieux l'élever que Teddy Jefford. Oh, je te reconnais bien là, Teddy. Tu es toujours aussi courageux. Ainsi, les furies t'appartiennent. Eh bien, je suppose qu'elles sont en bonne main. Je devrais me fâcher. Mais tu avoueras à ma fille que j'ai toujours été beau joueur. Quelle est votre part dans tout ça? Je récupère mes terres. Vous avez soupiré longtemps après cet instant. Oui. Et je ne cesserai de soupirer tant que je n'aurai pas un fils qui devienne le maître des furies. Non, je serais curieux de voir ça, par exemple. Il me reste $100 hors dans ma poche, juste de quoi nous payer un royal festin tel qu'on n'en aura jamais vu ici. Et ce sont de vrais dollars. Ces derniers. Ça m'est égal, nous ferons ce que j'ai dit. Mais j'ai signé un contrat, mais je n'ai qu'une parole. J'oubliais une chose. Je paie mes dettes. Teddy Jefford. Voilà. Venez, venez. Viens, Scotty. C'est un jour à célébrer. Nous commençons dès maintenant. Rick. Je sais. Vous désirez une triple association. Il fallait s'y attendre. Maintenant, j'aurai la joie de repartir à zéro à nouveau. Est-ce que tu n'es pas un peu vieux pour ça? Vieux? J'ai juste là ce qu'il faut. Assez vieux pour apprendre, assez jeune pour oublier ce que je sais. Et je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Scotty a économisé $5000 et sur les côtes de Californie, il y a une île qu'on appelle Catalina. Tu m'as déjà parlé de cette île. Oui, mais je ne t'ai pas tout dit. Tu vas te marier avec une riche héritière. Non, non, on ne peut rien te cacher. Ça n'a pas d'importance. Je te dis que cette île qui est là-bas conviendrait à un roi. On a tué quelqu'un. C'est Teddy. Teddy a été tué. Par là. Oui, de ce côté-là. Oui, par là. Appelez le docteur Greve, qu'il vienne tout de suite. Vieille sorcière, c'est elle. Elle peut toucher un pigeon dans l'œil à 300 pas. Ah. Et n'allez pas appeler mon petit-fils, Teddy. Ce serait un fardeau trop lourd à porter. Il aura trop à faire, car il n'y en aura pas d'autre comme moi. Scotty, il faut le ramener au Fury. Nous ferons graver sur son tombeau cette simple épitaphe. Teddy Jefford. C'est ce qu'il aurait aimé. Et lorsque nous aurons un fils, nous l'appellerons Teddy, lui aussi.